Soldats, vous avez en 15 jours remporté 6 victoires, pris 21 drapeaux, plusieurs places fortes, conquis la partie la plus riche du Piémont. Dénué de tout, vous avez suppléé à tout. Vous avez gagné des batailles sans canon, pris des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaqué sans eau-de-vie et souvent sans pain. Soldats, la patrie a le droit d'attendre de vous de grandes choses. Justifierez-vous son attente. En est-il entre vous dont le courage s'amollisse? Non, il n'en est point. Tous brûlent de porter au loin la gloire du peuple français. Tous veulent, en rentrant dans leur village, pouvoir dire avec fierté « J'étais de l'armée conquérante d'Italie ». Soldats de la vieille garde. Je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment
sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Dans ces derniers temps, comme dans ceux de notre prospérité, vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité. Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue, mais la guerre était interminable. C'eût été la guerre civile, et la France n'en serait devenue que plus malheureuse. J'ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie. Je pars. Vous, mes amis, continuez de servir la France. Son bonheur était mon unique pensée. Il sera toujours l'objet de mes vœux. Ne plaignez pas mon sort si j'ai consenti à me survivre. C'est pour servir encore notre gloire. Je veux écrire les grandes choses que nous avons faites ensemble. Adieu, mes enfants. Je voudrais tous vous presser sur mon cœur. Que j'embrasse au moins votre drapeau. Adieu. Encore une fois, que ce dernier baiser passe dans vos cœurs. Thank you.
À 6 heures du soir, une nouvelle et furieuse attaque est donnée au filage de la Haie Sainte. Blücher survient avec des troupes fraîches et isole du reste de nos troupes déjà rompues les carrés de la garde impériale. Autour de cette phalange immortelle, le débordement des fuyards entraîne tout parmi des flots de poussière, de fumée ardente et de mitraille, dans des ténèbres sillonnées de fusées à la Congrève, au milieu des rugissements de 300 pièces d'artillerie et du galop précipité de 25 000 chevaux. C'était comme le sommaire de toutes les batailles de l'Empire. Thank you.